Ouais, du coup, il va falloir reset tous les. Ouais, bah Refab, de toute façon, il va s'occuper des overlays, comme d'habitude. Yes, yes, yes. Alors. Je l'ai déjà, l'autre ROM? Normalement, tu les as toutes. Ah, j'ai juste pas dû la DL, je crois. Le son, putain! Je l'ai entendu de l'arme. Putain de merde! Désolé, désolé. Et, la ROM elle est dans le drive, non? C'est ça? Normalement. Ok. C'est bon le son là? Émeraude. On voit pas tout l'overlay, t'as juste à changer les badges. Alors ça me dit impossible de télécharger le fichier. Oh putain de merde, alors attends. Vous n'êtes pas autorisé à afficher les informations de partage de cet élément. Attends, attends. Ça marche avec ce lien-là? Oh merde, c'est pas. Putain, il faut que je. Ouais, ouais, ça marche, ouais. Ça fonctionne. Ok. Ça passe toujours par VBA, ça bouge pas? Non, c'est MGBA. Ah ok, MGB. Oh, désolé, je suis en train de reconfigurer mes touches. Quand tu veux mon ref. Oh là là, la musique. Allô? Tu me le donnes ou quoi? C'est vraiment la meilleure version. Je pouvais pas télécharger MGB1. Hein? Ah, il veut pas. Je clique dessus, il se passe rien. Sur le drive? Ouais, ouais. Clique dessus, il se passe absolument rien. Clique droit, téléchargement. Il veut pas. Attends. Toujours une solution. Erreur HTTP, je sais pas quoi mon cul. Il veut pas. Tiens, Guy. Ça envoie. Oh là là, putain, le drive compliqué là. Ouais, le drive d'habitude il marche nickel. Ok, c'est une blague ou il n'a pas DL? Et je vais péter un plomb. Sur Discord? Pourquoi je prends pas la fille? Parce que les filles dans Pokémon elles sont moches. Ah ça y est enfin, putain. Il aura galéré à me le donner hein. Ok, it's ok, it's ok. Alors, voyons voir. Alors, tac tac.
Alors ça va hurler ses grands morts, je suppose, au début. Bah écoute, moi ça a hurlé ses grands morts, alors je suppose que toi chez toi aussi, hein. Charger une ROM, émeraude. Flora est moche, oui. Oh là là, les vigorottes qui déménagent et tout. Saloperie, tais-toi. C'est ton crush quand t'étais petit, Super Geek ? Ah oui. Attendez, alors. Mais quelle heure ? Minuit 55. Alors, du coup, minuit 55. Minuit 55. Ok. Oh, les belles animations. Bon, MGBA, le drive, c'est bon, ta mère, là, depuis tout à l'heure, on a mis spam de « Je peux pas télécharger PG, ta gueule !» Voilà, voilà, à un moment donné, Ah, j'ai voilà, mis 11h55, merde. Ok. Alors, donc là, on est d'accord que là, tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est la découverte des starters, quoi. Ouais, ouais, faut juste... Bah, ta mère, elle va te dire « Ouais, faut que tu mettes ton horloge à l'heure, et puis voilà. » Ah, c'est quoi les touches ? Ah, je veux dire, il faut les reprogrammer. Nice. Tant pis, je pourrais pas reprogrammer là. La potion du PC, le classique. Oui, le classique. Mmh. One more. Et pas de speed up sur l'émulateur, dommage. Oh, y a pas de speed up. Je suis sur l'espace et ça marche pas. Oh. Tant pis, on va faire le classique, hein. La version random marche pas avec l'autre émulateur, donc enfin sur celle-là en tout cas. Michel. Ma belle. Faut sur tab. Sur tab. Ah oui, effectivement sur tab, ah ça oui, accélère. Sur tab, ouais. Ok. Ok. Ouais, ça marchait pas sur Visual Boy Advance, donc du coup j'ai utilisé cet émulateur là et ça marchait bien. Donc, je vais pas chercher plus loin, franchement. Alors rebind ça parce que là sur. Ah oui, d'accord, on était littéralement dans un camion en fait, quoi. Ouais, c'est bon, je suis devant. Tu es là, chouchou. Je suis devant les pokés. Je vais mettre l'horloge à jour. Du coup, on considère 1h du mat. AM, pas PM. Ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait AM, PM. Oh. Ouais, moi j'ai mis 11h55 sans faire exprès, hein, t'inquiète. Hein. Oh. Bon bah j'ai, on a win, hein, c'est bon. Oh bah d'accord, on a déjà chopé une dingouze. Oh. J'attends qu'il soit 59 et je valide. Ok. Une fois que j'ai réglé l'heure, faut que je me casse, non ? Ouais, tu vas dans la maison d'à côté voir Flora. Enfin, tu prends la potion dans le PC, bien sûr. T'as mis où le bouton B pour annuler ? Mais annule, connard ! C'est pas grave, mais casse. Mais annule, enculé ! Enfin, je regarde où il est, où il bindé le. Tant qu'on n'a pas les balls, le Nuzlocke commence pas. Donc même si le premier Pokémon nous tue, ça me... c'est pas grave. Oh
J'étais voir Flora, après j'imagine c'est direction le labo. Non, 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 mais t'as pas été voir Flora là? T'as pas rentré? Bah, je sais pas. Dans la maison, c'est la maison à droite, Flora. Bah, j'y étais, j'en reviens. Il faut que t'ailles à l'étage. Ah, l'étage, hein. Ah, il y a une Pokéball par terre. Ah, il va falloir rebinder ses touches parce que c'est un cauchemar. Bon, moi je l'ai fait direct, hein. Ça m'a saoulé. Ouais, parce que là ça me saoule. C'est bon, tu sors, tu vas en haut et puis t'as le professeur qui se fait attaquer par un zigzaton. Attends, paramètres. Interface émulation BIOS. Contrôleur, raccourci. Clavier. Ah oui d'accord, c'est Z et X. Ah ouais bah d'accord, je te passe l'ergonomie du bordel quoi. Il a force poigne, métronome, ultra laser, ligotage. Mais t'as chopé quoi là? Il a normalize. Putain, on peut. La barre pour accélérer, on peut pas la mettre ailleurs? Ouais, je dis que de la merde. Parce que là sur table, c'est d'un casse-couille. Oh. D'accord. Non, force point, j'ai bugué, j'étais en mode. Autre chose. Je dois faire quoi là une fois que je suis sorti de chez Florent? Tu montes? T'as là où il y a la petite gamine. Oui, d'accord. Ah, et c'est là qu'on choisit? Ouais. Ah bon, Lumivol, c'est nul. Maconnière! Et le troisième? Mélo? Non. Briroll? Bah, Maconnière! Ouais. J'avais déjà un rhum d'avant. Pas très exotique, hein. Ah bon. Et après tout, c'est un doublon, non? Non, bah non, pas maintenant. Ah, oh, fait chier, ma cognard, je l'avais déjà la rhum d'avant, quoi. Casse les pieds. Encore me taper lui, là. Ouais, bah, de toute façon, après, Lumivol. Ouais, Lumivol MDR. Bon, alors, MDR. Je sais pas si le talent change quand il évolue. Normalement, oui. On verra bien. Bon, du coup, j'ai un paré cool avec point poison. Donc, il offre. Enfin, c'est pose poison maintenant, je crois que ça s'appelle. Ouais. Il est de nature calme. Il tient un élixir, ok? Ok. Force poigne, ligotage, métronome ultra laser. C'est ton starter ça? Ouais. Un pareil cool? Ouais. Pourquoi un pareil cool? Parce qu'il a pas absentéisme en monaflémite. Ah. D'accord. Bon bah. Un cogneur, hein. Alors. Zigzaton level 2. Ma cogneur go. Il va être level 1. Ah non, level 5. Pardon. Allô? Balayage, match punch, double piste, stratoperket. Allô? Mais il est incroyable. Attends, parce c'est qu'on vraiment connaît pas random, son... on se demande.
C'est... Ah oui, 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 c'est random, on commence pas avec, avec un cognard, ni avec 4 attaques. Hein. C'est balayage ou c'est Mac Punch qui est prio? Je sais plus, mais de toute façon, tu vas à l'OS. Si la coloforce ou force brute, on va voir son talent, ça va être très drôle, je sens. C'est Mac Punch qui est prio? Trop bien. Allez, l'attaque prio direct. Let's go. Il peut pas avoir de talent qui devait avoir. Enfin, il n'y a pas que les talents de base sur les Pokémon qu'il peut avoir. Hein. Genre, par exemple, moi, mon Paraco, il a pose poison. Donc, Oui, d'accord. Il peut avoir un talent totalement différent de. Des talents qu'il a de base, oui, oui. C'est, tout est random, là. Le H est à droite. Ah, moi, je suis désolé, hein, son blast sur le chat, il a 3A. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi j'attends de voir le talent et la nature du Pokémon de Guy. Ouais, d'aller voir Flora, ouais, on va aller voir Flora. Ouais, ouais, moi je suis pas allé voir Flora. Hein. Ah, nique ta mère. Alors. Ah, déjà il tient un objet. Oui, ils devraient normalement tous tenir un objet. Alors. Cacophonie évite les attaques sonores. C'est pas fou. Après, il est prudent. Ouais. C'est pas fou. T'as ma cognure femelle. Oui, c'est femelle. Quoi, l'item qui tient là? Il tient une CT. CT 41. Ah, la CT 41. Bah, il tient une CT. MDR. Moi, il tient une élixir. C'est ok, lui, ses attaques. Ouais, non, mais franchement, cacophonie, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas non plus mix. Enfin, c'est pas truc de fou malade, mais c'est pas mauvais, quoi. Son talent, c'est cacophonie. Effectivement, c'est. Ah, il y a les concours de Pokémon, les concours, là. Les concours. Oh, sa mère, la chouin. Ouais, que dalle. Alors, là, ma bite. Hein. Quoi, c'était 41. Ah, un peu. Non, mais pas Michel. Mich. Oh, merde. C'est Tourmente. Ouais, ça va rester parce que ça fait en finale. Oh là là. C'est, il évolue quand le Mona Flemit? Le Mona Flemit, le Barakou en fait? C'est quoi les niveaux déjà? Prudent, ça donne quoi comme répartition de stats? Alors moi je suis très nul en... Je suis très nul là-dedans, donc je pense que le chat va nous répondre. Du moment que ça m'impacte pas mon attaque, je m'en fous. Prudent, c'est neutre je crois. Si c'est neutre, ça me va. Pas ouf le talent, dommage. Bah. Ouais, bah c'est. Ouais. C'est mieux j'ai qu'un talent nul. J'ai proposé de reroll. Hein. Non. C'est plus def spé, moins attaque spé. Bah, ça va. Oui, il est destiné, il est destiné à être physique. Donc ça lui fait du défensif en plus. Il est calme. Sans être impacté. C'est plus défense, je pense. Ça renforce un aspect défensif en nerfant un aspect offensif que je peux pas vraiment exploiter avec lui. Donc au final, on s'en fout quoi. Au final de tout ça. C'est bien sans être bon. Ah, c'est random quoi. C'est random. C'est full randomax. Pauvre 18-36 dans le chat. Ah oui, oui, putain, oui, je suis con, j'ai demandé le Nino de Paracool. Oh là là, c'est fou. Hein. Hop. En tous les cas, Mac Punch. Ouais, dans tous les cas, Prio. Donc, dans tous les cas, ça va être des free wins sur des générations. Bon, du coup, le nez, il est calme. Par contre, attends. C'est moins attaque, plus def spé, calme. Ah, aux ennemis lourds. D'accord. Mac Punch tabé sur un Maconeur bien bourru, what else? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Quoique, bon, ça fait assez peu de damage, mais l'avantage c'est que c'est prio quoi. C'est le gros avantage du bail. Bon bah écoutez, un start. Pas si moche.
start plutôt violent, je dirais. Ouais, j'ai encore un gros bœuf cogneur de ouf là. Et du coup, c'est comme les versions précédentes, la ROM commence à partir du moment où on a. On a les boules. Une chance insoutenable. Bon, écoutez, ça va. Du coup, Refa, je t'enverrai tout ce qu'il faut pour modifier les overlays. Guy, je cherche. Pourquoi t'es. Pourquoi? T'as des questions? J'ai pas de réponse. Merci Mikazé pour les 1000 bits! Du coup, Guy, je t'enverrai les sprites pour les Pokémon. par contre, j'espère que tu vas pas tomber sur OO en premier Pokémon de zone parce que on va pas le capturer avec des Pokéballs, hein. Mais pourquoi t'es parti direct là? Moi j'ai éteint le jeu. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Guy fait demi-tour. Mais là tu es mort fin de la run. Il y a une fuite qui existe hein. Merci pour 50 bits, Mikazé! T'as un cul, faut vraiment que tu prennes une dose d'optimisme dans ton café le matin. Ah. Refab, est-ce que t'avais des badges ou pas, toi? Est-ce que t'avais le truc avec les badges? C'est qu'il y a OO, du coup, dans les herbes. Super. J'espère fort que tu auras pas ça, hein. Moi aussi. Parce qu'alors, au secours. Là, je me prends une attaque de type vol et c'est saluto pipo. Ouais. Bah, c'est surtout que tu peux, vas pas pouvoir capturer OO avec des Pokéballs au début du jeu, quoi. Ah ouais, bah non. Toujours pas de colis. J'ai eu des news, c'est quand? Je crois que c'est le 15. Comme quoi le colis donc avait été dédouané, etc. etc. Il est arrivé en Allemagne. Du coup, le livreur l'a pris en charge, je crois, le 15. Et il comptait entre 1 et 5 jours de délai de livraison. Donc, c'est-à-dire que là, normalement, je devrais. Là, j'ai pas encore reçu, du coup. Donc, je pense que je devrais l'avoir entre demain et mercredi, normalement. Si on y compte bien, si les délais sont bons. Après avoir passé très exactement à l'heure actuelle, là, 47 jours en transit. Et un an de préparation. Et bon. Quand je vais déballer ce qu'il y a dans ce colis, je vous jure bordel. C'est la troisième ligne, Refab, du coup. Je vous jure bordel. Bordel. Bordel, quand on rentre sur la piste. Le fameux colis, exactement, le fameux. Bon bah... Ce fut une aventure forte en émotion sur ce Pokémon Crystal. Ah, surtout le dernier live, là, aujourd'hui, ça a été relativement tout droit. Ouais, mais je m'en doutais. Moi pas. Vu comment ça s'était passé la session d'avant, j'étais pas spécialement des plus sereins, je t'avoue. Mais bon, je pense pas que ça l'ait fait, quoi. Ouais. Bon, bah du coup, dimanche pro. Dimanche pro, avec ses starters de malade. J'avoue, pas trop moche. Pas trop moche, pas trop moche. Au revoir. Au revoir, au revoir. Ok. Bon, bah écoute, je te fais des bisous, je te dis une bonne nuit. Ouais, bah la bonne nuit. Moi je vais et la balader aussi. Bah ça marche, et puis bah, au pire des cas, dimanche pro. Yes! Ok, ça roule. Et bah des bisous, la bonne nuit. Des bisous, la bonne nuit. Et chouchou. Chouchou. Bon, et bah. La prédiction, attends, j'ai rien fait pour l'instant. D'accord que t'as perdu ton Pokémon. Ah oui, j'ai sacrifié Warren, ouais. J'ai complètement sacrifié Warren.
donc c'est Kuro qui gagne sur la prédiction. Enfin, c'est moi qui ai sacrifié un Pokémon. C'est moi qui ai tué un Pokémon. Bon, du coup, il faut que je trouve les sprites de Emerald et tout ça. Bon, ça va pas être compliqué, je vais faire comme d'habitude. Refa, je t'ai envoyé les badges, du coup, pour l'overlay. Tire au fusil à pompe sur Kuro. Ah bah non! Bah écoutez, le héros de jaune, c'était Driss. Le héros de cristal, c'était Bad. Voilà, peut-être, enfin, bah, le héros de Emerald, ça a l'air d'être Effa. Bah pour le coup, mon petit, voilà quoi. Mais bon, allez, je vais vous laisser parce que du coup, le chien, il est pas sorti de la journée au vu du fait que je me suis endormie comme un gros sac. Donc je vais aller vite la promener, la pauvre petite qui attend. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis du coup à jeudi pour, je sais, pour Payday 3 avec Refa et Driss, normalement. Et voilà quoi. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était cool. Ciao, ciao.